Dev. Bonjour, je m'appelle Dev. Je suis un vieux chanteur du siècle dernier. Voilà. Alors, pourquoi je suis là pour la Fondation Frédéric Gaillane? Et parce qu'un jour, Frédéric Gaillane s'est pointé chez moi, dans ma maison perdue dans les collines, sur la commune de Somane, d'où il est natif, si je ne m'abuse. Et je peux vous dire que quand vous avez Frédéric Gaillane dans les pattes, faut s'en débarrasser, c'est quasiment impossible. Mais je n'avais pas vraiment envie d'ailleurs, parce que ses propos tenaient, m'ont touché, m'ont ému. Et il m'a expliqué donc son rêve. Après, pour le faire court, je suis allé voir un pré. Dans ce pré-là, il a fait Obama, il a dit là, il va y avoir une école, là, il va y avoir un accueil hôtelière. Il n'y avait rien. Et yes, we can, il a dit. Et ben, il n'a pas dit, mais il aurait pu le dire parce que c'est insensé. Je ne sais pas combien d'années ça fait parce que quand on aime, on ne compte pas. Mais ça va faire 4-5 ans et il est arrivé à tout faire. Et c'est absolument incroyable à quel point. Mais je suis pas là pour parler de Frédéric Gaillane à la rigueur. Mais pourquoi après j'ai été ému? Je me souviens de la première fois où je suis venu. Il y avait un papa d'une fille qui a parlé de sa fille et ce qui avait changé la vie pour elle et pour la famille quand elle a eu ce chien. Et c'était extrêmement émouvant parce que le mec, c'était un vrai mec, il voulait pas pleurer. Il luttait contre les larmes. Et il n'y a rien de plus émouvant que ça. Parce que c'était pas des larmes de malheur, c'était des larmes de bonheur. Et voilà pourquoi je suis toujours là, quelques années après. Alors aidez-nous quand vous voulez, parce que l'argent, il en manque toujours. Merci.